instruction this morning. The title of my sermon today, I believe, addresses something that no one likes to talk about. Le titre de mon sermon aujourd'hui, et je crois qu'il s'adresse à quelque chose dont personne ne veut parler. But encompass the life of everyone in this room. Mais il comprend et touche la vie de tout le monde dans cette pièce. Not just here. Pas seulement ici. But something that from the beginning of time, humanity have been struggling with. Mais quelque chose que depuis le début de l'humanité a des problèmes avec cela. From the genesis of the prophets of old to the dispensation of the apostles. De la Genèse aux anciens prophètes et aussi aux apôtres. We all have at some point felt guilty of this commoner called a mistake. Et on s'est tous sentis coupables de cette chose commune qu'on appelle les erreurs. Your mistakes or faults does not determine your destiny. Tes erreurs et tes fautes ne déterminent pas ta destinée. You have a road full of opportunities in life. Et tu as une route remplie d'opportunités dans la vie. Don't waste them dwelling on the mistakes of the past. Et ne les gâchez pas en restant sur les erreurs du passé. Remember, you can never undo whatever may have happened. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas défaire ce qui s'est déjà produit. But you can possess the fullness of God's plan for your life. Mais vous pouvez posséder la plénitude du plan de Dieu pour votre vie. Praise the Lord. Let's look in the Word of God. Donc regardons à la parole de Dieu. We want to talk about the story of David covering his sins. Donc nous voulons parler de l'histoire de David qui a couvert ses péchés. Go ahead. Okay. Second Samuel chapter 11 verse 1 to 17. Donc 2 Samuel 11 verset 1 à 17. Après cela, excusez-moi, 2 Samuel 11, verset 1 à 17. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien ?» Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab, « Envoie-moi Uri le Héthien. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David qui l'interrogea sur l'état de Joab et l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison. » Et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, « L'arche et l'Israël et Juda habitent sous tes tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. » David dit à Uri, « Reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. » Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain.
David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître. Mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya à la main de, par la main d'Uri. Et il écrivit par ses lettres. Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Héthien fut aussi tué. Versets 26 à 27 du même chapitre. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. So, the title of this short encouragement is Overcoming Your Past Mistakes in Order to Possess the Fullness of God's Plan for Your Life. Donc, le titre de ce petit encouragement, c'est Surmonter tes erreurs passées afin de posséder la plénitude du plan de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. As we look in the word, donc en regardant dans la parole, that we read ahead, dans les versets que nous avons lus précédemment, we realize that David sinned and he covered his sins. Nous réalisons que David a péché et qu'il a couvert ses péchés. But today, mais aujourd'hui, God does not want us to cover our sins. Dieu ne veut pas que nous couvrons nos péchés. But rather, mais au lieu de cela, to acknowledge them. Il veut que nous les reconnaissions. We want to look at Proverbs 11:2. Donc nous allons regarder à Proverbe 11. Proverbe 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Je réalise one of the reasons why David tried to cover the sins. Une des raisons pour laquelle David a cherché à couvrir son péché was because of his pride. C'était à cause de son orgueil. Because David was a king. Parce que David était un roi. He was high in society. Il était haut placé dans la société. If people realized that he did such a thing, et si les gens avaient réalisé qu'il avait fait une telle chose, what would people think of him? Qu'est-ce que les gens allaient penser de lui? So he tried to cover his sins. Donc il a essayé de couvrir son péché. And I realized he didn't try only one way. Donc, et je réalise qu'il a pas seulement essayé d'une façon. He tried the first time. Il a essayé la première fois. It didn't work. Ça n'a pas marché. He tried again to get him drunk. Il a essayé encore de l'enivrer. That didn't work. Et ça n'a pas marché. And it led to death. Et il l'a conduit à la mort. What situation that we have today? Quelle situation à laquelle nous faisons face aujourd'hui? That we have in, and we're trying to cover. Que nous essayons de couvrir. This is a question for me, for you. Et c'est une question pour moi et pour vous. What is it that I am going through? Qu'est-ce que je traverse? And I am ashamed. Et que dont j'ai honte. And I would rather cover. Et que je préfère cacher. Instead of dealing with it. Au lieu de l'affronter. Praise the name of Jesus. Loué soit le nom de Jésus. We will look at, instead of David covering his sins, number two, he should acknowledge his wrong and repent. Donc numéro deux, point numéro deux, au lieu que David ait caché son péché, il aurait dû se rendre compte de ce qu'il avait fait de mauvais et se repentir. We will look at 2 Samuel 12:13. Donc on va regarder, on va passer à 2 Samuel. 2 Samuel 12. We should acknowledge our sins. On devrait reconnaître notre péché. That is the first step to receiving recovery. Et ça c'est le premier pas pour pouvoir recevoir la miséricorde.
Donc 2 Samuel 12, verset 13. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » After he tried covering his sins, après avoir essayé de couvrir son péché, the Lord sent his servant, le Seigneur a envoyé son serviteur to speak to him, pour pouvoir lui parler. David truly acknowledged, et David a vraiment reconnu that he sinned, qu'il avait péché, and he's seeking to make things right. Et il, maintenant il cherche à faire les choses bien. 1 John 1, 9. Donc, on va passer à 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. That is to say, when we go wrong, et ça, c'est pour dire que quand on fait une faute, please don't try to cover it. S'il vous plaît, n'essayez pas de la couvrir. But rather acknowledge, mais plutôt reconnaissez that you have gone wrong, que vous avez péché, and the Lord will restore you. Et le Seigneur va vous restaurer. Praise the name of Jesus. Loué soit le nom de Jésus. James 5:16 says. Donc, Jacques 5:16 dit. I acknowledge my sins unto thee, and my iniquities have I hid. I said I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquities of my sin. Jacques 5, verset 16, qui nous dit. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez. Afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Praise the name of Jesus. Loué soit le nom de Jésus. That is to say, when we confess our sins, He is faithful to heal us from all what we are going through. Et donc ça c'est pour dire que quand nous confessons nos péchés, il est assez fidèle pour pouvoir réparer tout ce que nous traversons, pour pouvoir nous guérir des effets de tout ce que nous traversons. I just want to bring an illustration, like a little example, like you find a young lady. Donc je veux simplement donner l'exemple. Par exemple, on trouve une jeune femme by being the house of God, qui est dans la maison de Dieu, come into the house of God, qui vient dans la maison de Dieu, and she for somehow, et pour certaines raisons, fall into sin. Elle tombe dans le péché. Instead of acknowledging she's done wrong, au lieu de reconnaître qu'elle a fait quelque chose de mauvais, she will go and abort this child. Elle va partir et elle va avorter de cet enfant. This is what the Lord is talking about. Et c'est ce dont la parole de Dieu parle. If you've sinned, si tu as péché, turn to the Lord. Reviens au Seigneur. Repent. Repens-toi. And God will restore you. Et Dieu va te restaurer. So you don't have to go down this way. Afin que tu ne puisses pas emprunter cette route. Hallelujah. Hallelujah. Bless his name. Loué soit son nom. Béni soit son nom. Lack of confession acts as an obstacle or direct hindrance to accessing God's grace. Le manque de confession qu'on n'a pas faite, ça agit comme un obstacle et ça dirige les barrières qui nous permettent d'accéder à la grâce de Dieu. I realized what, as we read before, et donc je réalise comme nous avons lu précédemment, in James 5:16, dans Jacques 5 verset 16, we confess our faults and this brings healing. Donc nous confessons nos péchés et donc cela apporte la guérison. But if we don't confess, mais si nous ne confessons pas, it becomes an obstacle, ça devient un obstacle, a hindrance, une barrière in our lives, dans nos vies, that we cannot go
Donc, on ne peut pas aller forward in Christ. Plus loin avec Christ. I realize et je réalise many times que souvent, we are in certain situations. Nous sommes dans certaines situations. Because we are carrying unconfessed sins in our lives. Parce que on continue à avoir des péchés qui n'ont pas été confessés dans nos vies. Certain areas in our life that we don't deal with. Il y a certains domaines dans nos vies avec lesquels auxquels on ne fait pas face. They have certain things in our life we rather not touch, but let it remain covered. Mais il y a certaines choses dans notre vie qu'on préfère de ne pas toucher, mais pour que ça reste caché. But this morning, mais ce matin, the Lord is calling on you. Le Seigneur nous appelle. To bring this thing forward. Pour pouvoir lui apporter ces choses. Find someone. Trouve quelqu'un. Confesse. Let that person. Et laisse cette personne pray with you. Prier avec toi. Nurture you. Pour pouvoir te nourrir. That you can come out of this situation. Prendre soin de toi afin que tu puisses sortir de cette situation. Hallelujah. Hallelujah. Repentance. La repentance. What it is. Qu'est-ce que la repentance? Repentance is the activity of renewing one's action and feelings, remorse or regret for the past wrong. La repentance c'est l'activité du fait de revoir les actions de quelqu'un et les sentiments de remords et de regret par rapport aux actes passés. When we truly repent. Et quand on est vraiment repenti. We turn away. We feel sorry for something we did that was bad. On se tourne et on est désolé pour quelque chose qu'on a fait. We feel regret. On sent le regret that we did that thing. Parce qu'on a fait cette chose. And we wish that we had never done it. Et on souhaite ne jamais avoir fait cette chose. That is true repentance. Et ça c'est la vraie repentance. And God. Et Dieu desire that we would come to a place of true repentance. Désire qu'on arrive à un moment de vraie repentance. Many times, souvent, we come bringing sacrifices. Nous venons, nous apportons des sacrifices. But that is not what he wants. Mais ce n'est pas ce qu'il veut. He desire a broken spirit. Il désire un esprit brisé. And a contrite heart. Et un cœur contrit. That he will not despise. Et c'est ces choses-là qu'il ne va pas. That he will not reject. Qu'il ne va pas rejeter. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Loué soit le nom de Jésus. And you can find this scripture in Psalms 51. Et on peut 16 and 17. On peut trouver ce passage dans Psaume 51 versets 16 à 17. Where it says, "For thou desirest not sacrifice, else would I give it. Thou desirest not in burnt offering. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. O God, thou will not despise." Praise the name of Jesus. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Hallelujah. Hallelujah. The next point, resist dwelling on the mistakes that you have made. Donc le troisième point, c'est résister le fait de rester, de demeurer sur les erreurs du passé. Remember, we are doing overcoming. Yes, sir? We are doing overcoming your past mistakes in order to possess the fullness of God's plan in your life. Nous rappelons que nous parlons du fait de surmonter nos expériences passées afin de pouvoir recevoir la plénitude du plan de Dieu sur notre vie. And I realize. Et donc je réalise. That is one of the areas. Que c'est un des domaines. That the enemy. Is doing havoc. Où l'ennemi crée vraiment des problèmes. Dwelling on your past mistakes. Quand nous demeurons sur nos erreurs passées. God wants us to accept and move on. Dieu veut que nous acceptions et que nous passions à autre chose. Because the past
never sees the future. Parce que le passé ne va jamais voir le futur. The events of the past does not have have to dictate the path that of your tomorrow. Les événements du passé ne doivent pas dicter la route pour les événements de demain. Let us look at Isaiah 43 verse 18 to 19. Donc on va regarder à Ésaïe 43. Just verse 18. Ésaïe 43 verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Praise the name of Jesus. Loué soit le nom de the Jésus. The Lord does not want us to dwell on these things. Le Seigneur ne veut pas que nous demeurions sur ces choses. But I realize. Mais je réalise. There is a thief. Qu'il y a un voleur. A liar. Un menteur. And he will try everything in his path. Et il va tout essayer. To allow you to remain. Et il va faire tout ce qui est en sa possession pour que vous puissiez demeurer. In your situation. Dans votre situation. He would use shame. Il va utiliser la honte. Accusations. L'accusation. Criticism. Les critiques. And as many as you can think of. Et autant de choses auxquelles vous pouvez penser. But this morning, mais ce matin, I'm here to tell you, je suis ici pour vous dire, silence the voice of shame in your life. Faites silence à la voix de la honte dans votre vie. The Bible says, la Bible dit, stand fast therefore, demeurez ferme. In the liberty in which Christ have made you free. Dans la liberté dans laquelle Dieu vous a donné, Christ and vous a donné. Be not entangled in the yoke of bondage. Et ne soyez pas liés par les liens du passé. The enemy wants to bring these things back to your mind that you did years ago. L'ennemi veut rapporter ces choses, vous ramener ces choses à l'esprit, les choses que vous avez faites il y a des années. And you keep playing it as a record in your head. Et vous continuez à jouer ces choses, à les faire passer dans votre tête comme un enregistrement. And the more you think about it, et le plus vous pensez à ces choses, the pain that has already gone comes back. Et la douleur qui était déjà passée revient. Sometimes the forgiveness that have been done, you said. Et parfois le pardon qui était déjà passé. So you see, que vous dites, you find as you replay that thing, et donc comme vous rejouez cette chose dans la tête, that there is some things happening in your heart automatically. Et donc il y a quelque chose qui se passe dans votre cœur automatiquement. If it's somebody that hurt you, si c'est quelqu'un qui vous a blessé, you can't greet the person like you would. Vous ne pouvez pas saluer cette personne comme vous le faisiez. Because it is fresh in your head. Parce que c'est encore très frais à votre esprit. But this morning, mais ce matin, God is saying unto you, Dieu vous dit, let it go. Laissez partir cette let chose. It go. Laissez-la partir. Rise up. Levez-vous. Receive the forgiveness that God has given to you. Et recevez le pardon que Dieu a pour vous. When people accuse you, quand les gens vous accusent, remember God has forgiven you. Rappelez-vous que Dieu vous a pardonné. There is an unconditional love. Il y a un amour inconditionnel. God has demonstrated for me and you. Que Dieu a déjà démontré pour vous et pour moi. Look at David's situation. Regardez à la situation de David. He committed sin. Il a péché. He tried to cover it. Et il a essayé de couvrir ce but péché. When he recognized, mais quand il a reconnu that he did wrong, qu'il a fait quelque chose de mauvais, he acknowledged that he did wrong. Il a reconnu qu'il a fait quelque chose de mauvais. And we realize in Psalms 51, et nous revoyons que dans Psaume 51, 1 to 4, versets 1 à 4, where David cried out, où David a pleuré, and he said unto God, et a crié à l'Éternel et lui a dit, I acknowledge that I have sinned. Je reconnais que j'ai péché. And it's you and against you alone I have sinned. Et c'est contre toi et contre toi seulement que j'ai péché. So many times, et donc souvent, when you see people come to you, que vous voyez les gens venir vers vous, and bring back the past of what you've done, et qu'ils ramènent encore ce que vous avez fait dans le passé, let them know that God has already forgiven you. Laissez-les savoir que Dieu vous a déjà pardonné. Let them know that God has already
forgiven you. Faites-les savoir que Dieu vous a déjà pardonné. You have been set free. Vous avez déjà été libéré. You have been liberated. Vous avez déjà été libéré. Hallelujah. 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 Blessed be the name of Jesus. Loué soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. One of the problems I realize. Un des problèmes aussi que je réalise. God may have forgiven us. Dieu nous a peut-être pardonné. But we do not receive forgiveness. Mais nous ne recevons pas le pardon. We condemn our own self. Et nous nous condamnons nous-mêmes. The word says that you are forgiven. La parole dit que nous sommes pardonnés. But you're supposed to receive it. Mais nous sommes supposés recevoir ce pardon. If you cannot receive forgiveness, si vous ne pouvez pas recevoir le pardon, you will not be able to rise up. Vous ne pourrez pas vous relever. You will not be able to overcome. Vous ne pourrez pas surmonter. And you will not be able to possess the plan of God in your life. Et vous ne pourrez pas posséder le plan de Dieu pour votre so vie. This morning, donc ce matin, my encouragement to you, mon encouragement pour is vous, to rise up. Et c'est de vous lever. I want to say to you, je veux vous dire, the spirit of shame, que l'esprit de honte, the spirit of accusation, l'esprit d'accusation, the spirit of criticism, l'esprit de critique, do not allow it, ne le permettez pas, to block the promise of God in your life. De bloquer les promesses de Dieu dans votre vie. If you do not receive the forgiveness of God, si vous ne recevez pas le pardon de Dieu, these spirits will paralyze you. Ces esprits-là vont vous paralyser. And you will not be able to get up and do what God has called you et to. Vous ne pourrez pas vous lever et faire ce que Dieu vous a appelé à blessed faire. Blessed be the name of loué Jesus. Soit le nom de Jésus. Blessed be the name of Jesus. Loué soit le blessed nom. Be the name of Jesus. Béni soit le nom de blessed Jésus. Be the name of Jesus. Béni soit le nom de Jésus. Qui ça vous matin? Qui ça vous matin? Que vous a fait? What have you done already this morning? And that you think that you cannot even forgive yourself. You think that there is a sin that you cannot forgive yourself for when God has already forgiven you. David, and when you look at David went and he killed in order to cover his sin. Il péchait, il essayait mener Maria pour petit maman la passer pour Maria. He sinned and he tried to bring back the husband in order to cover that sin. Laisse pas travail. And when that didn't work, il essayait faire sou. He tried to drink him. Laisse pas travail. And when that did not work, il résolta pour tuer. So he made up a plan in order to kill him. Moi porter ça pour te dire. I brought that to say. Bon matin, si on est en situation. That this morning if you've got a situation. Et personne pas ça, vous cachez là. And that nobody knows that you have that situation. Pas qu'à faire des fesses pour ça. Oui, souverain délivrance. And that you will not be able to receive the deliverance. Moi voulais dire pas quitter la mort. I want to tell you not to let death come to your way. Do not allow death to take you. Because God will come back. And he will come back for a people who are prepared. He comes to receive to take people who got nothing in their hearts. He comes to take for somebody who desires. Who desires righteousness. Praise the name of Jesus. Loué soit, béni soit le nom de Jésus. Hallelujah. God loves you unconditionally. Dieu vous aime de façon inconditionnelle. Regardless of what has happened in the past. Et peu importe ce qui s'est passé dans le, ce qui s'est déjà produit dans le passé. Regardez-moi, c'est moi. And you will say, my sister. Soutez ça, ça m'a fait. If you knew what I've been through, what I've done already. Moi pas connaître. I don't know. Mais Dieu connaît. But God knows. La panne pièce en yon péfè. There's nothing that you can do pour empêcher bon Dieu aimer. To stop God from loving you. C'est ou pas oui souffre l'amour bon Dieu. It is you if you do not receive God's love. Ou kay tombe en perdition. You will go and you will just fall and you will die. Hallelujah. We want to look at Amos 5:8. Donc, on veut regarder à Amos 5. C'est
Amos 5, what is it? While we were yet sinners, Christ died. When we don't get there. Ah, okay. Amos 5, 8. Alors, Amos 5, verset 8. Non, c'est pas celui-là. Non, it's not that one. It's not that one. Praise the Lord. Loué soit le nom de Jésus. God is good. Amos 5, it's not that one. Are you sorry, Romans? Excusez-moi. C'est moi, c'est Romain. Romain. Romain 5. Romain 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. You see what I'm saying? Vous voyez ce que je dis? God loves you unconditionally. Dieu nous aime inconditionnellement. That is why he gave his only son for us. Et c'est pour ça qu'il a donné son fils unique pour nous. He died for our present sin. Il est mort pour nos péchés présents. And the sins we will do. Et pour les péchés que nous allons commettre. So, this morning you don't have an excuse. Donc ce matin, vous n'avez pas d'excuse. You have a situation. Vous faites face à une situation. It's too heavy for you. C'est trop lourd pour vous. Turn it over to him. Donnez-le lui. Praise the name of Jesus. Loué soit le nom de Jésus. Loué soit le nom de Jésus. Praise the name of Jesus. Loué soit le nom de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Béni soit le nom de Jésus. Sometimes we are there. We are there. Sometimes we are there and we. Et parfois nous sommes là. And we are stagnant. Et nous sommes là sans pouvoir bouger, stagnant. And we are not moving on. Et nous ne pouvons pas avancer. This is the result of unconfessed sins. Et ça c'est un résultat de péchés non pardonnés, non confessés. Unconfessed issues. Des problèmes qui n'ont pas été confessés. And not only what you did, et pas seulement ce que vous avez fait, but what someone did to you. Mais peut-être aussi ce que quelqu'un vous a fait. So this morning, donc ce matin, God wants you to rise up. Dieu veut que vous vous leviez. He wants you to forget what has happened. Il veut que vous vous oubliez ce qui s'est passé. He wants you to receive the healing process as we see in James 5:16. Il veut que vous puissiez recevoir ce processus de guérison comme nous avons vu dans Jacques 5. He wants us to, like in Revelation said, to remember from whence thou hast fallen and repent and do the first work. Donc comme Apocalypse dit, rappelez-vous de là où vous êtes tombé, repentez-vous et faites le bon travail. So where you have fallen, donc quand vous êtes tombé, rise up this morning, levez-vous ce matin, make it right, faites les choses bien, and do the first works, et faites les premières œuvres. Praise the name of Jesus. Loué soit le nom de Jésus. I want to talk a little bit this morning. Concerning my testimony. Et donc je veux parler un tout petit peu ce matin de mon témoignage. Because I realized whilst preparing this, parce que j'ai réalisé quand je préparais cela, the Lord was talking to me, que le Seigneur me parlait concerning myself, concernant les choses à mon sujet, that is les choses personnelles. That is why I'm telling you, donc c'est pour ça que je vous dis, it's not just you did something wrong, que ce n'est pas simplement que vous ayez fait quelque chose de mauvais, but is sometimes somebody did something wrong to you, mais que parfois c'est quelqu'un qui vous a fait quelque chose de mauvais, and you buried in the situation, et vous êtes empêtré dans cette situation, instead of rising up, et au lieu de vous vous êtes embourbé dans cette situation au lieu de vous lever, and doing what God has called you to do, pour pouvoir faire ce que Dieu vous a appelé à faire. When I first came here, la première fois que je suis venu ici, when I just left, quand je venais de partir, I was hurt by someone very close. J'ai été blessé par quelqu'un de très proche. In ministry. Dans le ministère. And I said to myself, et je me suis dit, I'm gonna protect myself. Je vais me protéger. I will not do anything in the house of God. Je vais rien faire dans la maison de Dieu. I would not stand there. Je ne vais pas me mettre debout là. I'm not even in a hurry to give a testimony. Et je ne veux même pas me presser pour pouvoir témoigner. And to talk to somebody about God. Et parler à quelqu'un de Dieu. Because of what I went through. À cause de ce que j'ai traversé. And my reason for doing that.
Et les raisons pour lesquelles je faisais ça, parce que dès que vous commencez à parler des bontés de Dieu, the Spirit of God takes over you, l'Esprit de Dieu vous envahit and drives you to do certain things he have called you to do. Et il vous emporte à faire des choses qu'il vous a appelé à faire. So I wanted to play it safe. Et donc je voulais jouer les choses je voulais garder je voulais me protéger. But I have never been so miserable in my life. Mais je n'ai jamais été aussi misérable dans ma vie. For the last 2 years I came here. Pour les deux dernières années où je suis venue ici. I was lonely. J'étais esselée. I was unhappy. Je n'étais pas contente. And I was miserable. Et j'étais misérable. And one day. Et un jour. I stay home and I say I can't take this thing again. Et j'ai dit non, je ne peux pas continuer comme ça. I say Lord. J'ai dit Seigneur. I cannot take it. Je ne peux pas supporter ça. The Lord spoke to me. Et le Seigneur m'a parlé. Rise up. Il m'a dit, lève-toi. But you're just this warming the bench. Mais tu es simplement là en train de chauffer le banc. That's not what I call you et for. Et c'est pas pour ça que je t'ai appelé. Warming the bench. Tu es en train de chauffer le banc. And in fact, I would sit behind. Et en fait, je m'assieds jusqu'au fond. And that is one thing I dislike. Et c'est quelque chose que je n'aimais pas normalement. You know why I don't like sitting behind? Vous savez pourquoi je n'aime pas m'asseoir derrière? Behind has too many distractions. Parce que derrière il y a trop de distractions. And I am one person I'm not interested in that. Et je suis quelqu'un qui n'aime pas qui n'est pas intéressé par toutes ces choses-là. But the Lord showed me. Mais le Seigneur m'a montré. Through His Word. À travers sa parole. As I was dealing with David. Pendant que j'étais en train de parler de David. Because I have been seeking him to put me back where I was. Parce que j'ai cherché le Seigneur pour qu'il puisse me ramener là où j'étais. You know, it was a sense of pride I wanted to get out of you. Vous savez que c'était un sens d'orgueil que je voulais laisser. There are times. Il y a des moments. The Lord allows things to happen. Que le Seigneur permet à certaines choses de se produire. Because he wants to deal with us personally. Parce qu'il veut agir avec nous personnellement. But you know, we don't look at our lives. Mais vous savez qu'on ne regarde pas à nos vies. But we hold the issue the person did to us. Mais on garde ce problème que la personne a créé. Instead of looking into our lives, cette chose que la personne nous a faite, au lieu de regarder dans notre vie, searching our hearts, au lieu de chercher dans nos cœurs, to see what the Lord is saying to us at the pour time. Pouvoir savoir ce que Dieu est en train de nous dire à ce moment précis. But I say, Lord, have mercy. Mais j'ai dit, Seigneur, sois miséricordieux. Because I never saw that. Parce que je n'ai jamais vu cela. Because you know what? Vous savez quoi? Sometimes we so self-righteous. Parce qu'on essaie tellement d'être juste par nous-mêmes. We think we are better than others. On pense qu'on est meilleur que les autres. We criticize them. On les critique. Instead of helping. Au lieu d'aider. That sister meant to tell me she did that. Et donc cette sœur-là qui m'a fait ça. But I thank God. Mais je remercie Dieu. He taught me to be compassionate. Parce qu'il m'a appris à montrer la compassion. To have compassion on people when they go wrong. Pour pouvoir avoir la compassion sur les gens quand ils font des erreurs. Because you are living in a body that is a fleshly body, a sinful nature. Parce qu'on vit dans un corps qui est un corps de chair avec la conséquence du péché, and la tendance du péché. You in that shell, you will do wrong. Et tant que nous serons dans ce corps-là, on va faire des choses mauvaises. And we're supposed to have a heart of compassion towards them. Et donc normalement, on doit avoir un cœur de compassion envers ces gens-là. So also he was like whispering and say, when you find that person in this situation, why don't you try and reach out? Et donc il était en train de murmurer aussi à mon oreille. Il me dit, quand tu trouves cette personne dans cette situation, pourquoi est-ce que tu n'essaies pas de tendre la main? Try to help that person. Pour essayer d'aider cette personne. And win them in. Et pour pouvoir la gagner, qu'elle vienne. And I said like David. Et j'ai dit comme David. I acknowledge my sin. Je reconnais mon péché. Create in me a clean heart, oh God. Crée en moi un cœur nouveau, Seigneur. Renew a right spirit within me. Crée un cœur nouveau en moi. And I thank God because He's faithful. Et je remercie Dieu parce qu'il est fidèle. And as I was reaching out. Et parce que j'étais en train de tendre la main. He used pastor. Il a utilisé pasteur. To lay his hands on my head whilst I was at the front. Et pour pouvoir même poser les mains pendant que j'étais là devant. To speak those same words. Pour pouvoir me parler, me dire ces mêmes paroles. Let go of what has passed. Laisse passer ce qui est passé. And then I got my conviction truly. Yes, Lord. Et là vraiment j'ai eu cette conviction et j'ai dit oui, Seigneur.
Today you will say to me, et aujourd'hui vous allez me dire, I don't have that issue. Je n'ai pas ce problème. But I'm there to tell you. Mais je suis là pour vous dire. It is there. Il est là. Sometimes you don't see it. Parfois vous ne le voyez pas. Sometimes you don't see it unless something happens. Et vous ne voyez pas tant que quelque chose ne s'est pas produit. Unless someone hurt you. Sans que quelqu'un ne vous a pas blessé. And not just someone. Et pas especially seulement quelqu'un. When it comes from the pulpit. Et c'est spécialement quand ça vient du pupitre. My issue was not the little ones. It came from the pulpit. Et mon problème, ce n'était pas les petits, c'était qu'il venait du pupitre. And I had a problem with it. Et j'avais un problème avec cela. But remember, mais rappelez-vous, God is merciful. Dieu est miséricordieux. For two years, I was in that situation. Je suis resté dans cette situation. He could have got rid of me. Peut-être qu'il aurait pu se débarrasser de moi. I was coming here. Mais parce que je venais ici. Worshiping. J'adorais. Reaching out. Et j'étendais la main. Je parlais en langue. Moving under the power of the anointing. Et je faisais des choses dans la puissance and du Saint-Esprit. I had these issues. Et j'avais ce problème. And I did not recognize it was there. Et je n'avais pas reconnu que c'était là. Today. Aujourd'hui. The word is there. La parole est là. For each and every one of us. Pour chacun d'entre nous. To search our lives. Pour chercher dans nos and vies. See in those areas. Et pour voir dans ces domaines-là. Where pride has gripped our hearts. Là où l'orgueil nous a gardés. And preventing us. Et nous empêcher. From confessing. De confesser. Internal issues. De confesser des problèmes internes. Today, aujourd'hui, God wants to deal with that. Dieu veut agir avec cela. He wants you to forget what has happened. Il veut que vous oubliez le passé. Pastor may have said something. Peut-être que pasteur a dit quelque chose. You find yourself feeling hurt. Et vous avez senti que vous étiez blessé. And you don't want to do too much because me, pasteur. Et parce que vous ne voulez pas faire trop de choses parce que moi, pasteur. Because of the hurts you have inside. À cause de la blessure que vous avez à l'intérieur. Today, aujourd'hui, we are all capable of making mistakes. Nous sommes tous capables de faire des erreurs. Let us put our mistakes aside when it comes. Mettons nos erreurs sur le côté. Let us deal with it. Et agissons. Let us try our best, strive to overcome. Et agissons de notre du meilleur que nous pouvons pour that, pouvoir surmonter. That God will give us his grace to go through, afin que Dieu puisse nous donner la grâce de traverser, so we can continue that work he has called us for. Afin que nous puissions, que Dieu nous donne la grâce de pouvoir continuer pour avancer dans ce travail qu'il veut que nous fassions. Praise the name of Jesus. Loué soit le nom de Jésus. Anyway, amen. The time has fast spent. I will just kind of wrap up quickly. Donc le temps est un petit peu avancé, donc je vais résumer rapidement. Receiving complete restoration through communion with God. Donc recevoir la restauration complète à travers la communion avec Dieu. Spending time in the presence of God. Go ahead. Is a medicine for the soul to bind and to heal every wound. Passer du temps dans la présence de Dieu, c'est un médicament pour l'âme pour pouvoir lier et pour pouvoir guérir toute blessure. Ou chaque blessure. Spending time in the presence of God. Passer du temps dans la présence de Dieu. In prayer. Dans la prière. In fasting. Dans le jeûne. In the word. Dans la parole. That is how you will be able to be restored. C'est comme ça que vous pourrez être restauré. And the most important one. Et le point le plus important. Is through worship. Et c'est à travers l'adoration. My experience in this. Mon expérience dans cela. Is through worship. C'est à travers l'adoration. I have found the most deliverance. Que j'ai trouvé le plus de délivrance. God has moved more for me through worship. Et que Dieu a agi plus pour moi à travers l'adoration. I have received healing. J'ai reçu la guérison. I have received deliverance also. J'ai reçu aussi la délivrance. I have found my needs met. J'ai trouvé mes besoins ont été répondus. And also liberate my spirit. Et aussi mon esprit a été libéré. If you want to truly come to a place of true restoration. Si vous voulez vraiment arriver à un lieu de restauration véritable. Find yourself a worshipper. Soyez un adorateur.
Non. Devenez un adorateur. Praise God. Alléluia. Find yourself a worshipper. Trouvez un adorateur. Devenez un adorateur. My reason for saying this. Et la raison pour laquelle je dis ça is in the word of God. C'est dans la parole de Dieu. It says that Christ, God habits in the midst of praise. Que Dieu habite au milieu de la louange. So if we need the Lord, donc si nous avons besoin de Dieu, and we need something from him, et que nous avons besoin de quelque chose venant de lui, we will visit where he lives. Nous allons le visiter là où il habite. But if he habits in worship, et s'il habite dans l'adoration, that is where we will go. Et c'est là qu'on va aller. Praise the name of Jesus. Loué soit le nom de Jésus. Isaiah 40:41 says, "They that wait upon the Lord, he shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." Praise the name of Jesus. Alléluia. Isaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. That is what will happen. C'est ce qui va se produire. When you find yourself in worship. Quand vous allez vous trouver dans l'adoration. When you find yourself seeking God in adoration. Quand vous allez chercher Dieu dans l'adoration. You wait. Vous allez attendre. Don't be in a hurry to run. Ne soyez pas dans la précipitation pour pouvoir courir. You remember you are recovering from a situation. Et rappelez-vous que vous êtes en train de vous remettre d'une situation. So you need to wait at his feet. Donc vous devez attendre à ses pieds. Let him strengthen you. Qu'il vous fortifie. Let him build you back. Qu'il vous bâtisse de nouveau. Hallelujah. Hallelujah. Also in Isaiah 41:10 says, "Fear thou not, for I am with you. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness." Ésaïe 41:10 nous dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. This is why we do not have to revisit what has passed. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de refaire, de repasser ce qui est déjà passé. We don't have to be afraid what they will say. On n'a pas besoin d'avoir peur de ce qu'on va dire. We don't have to be afraid of what they will do. On n'a pas besoin d'avoir peur de ce qu'ils vont faire. Because he is with us. Parce qu'il est avec nous. He said he will not leave you. Et a dit qu'il ne va pas vous laisser. He will strengthen you. Qu'il va vous fortifié, he will help you. Qui va nous aider. And he will uphold you. Et il va nous garder. So no matter the road that you have passed, donc peu importe la route que vous allez emprunter, just remember, rappelez-vous simplement that he is with you. Qu'il est là avec vous. I will conclude this session. Donc je vais conclure cette session. Now that we have come to Now that I have given you a few steps how to overcome, it places you in a position to walk in the fullness of God's purpose for your life. Donc maintenant que je vous ai donné des étapes pour pouvoir surmonter sous cela, cela vous place dans une bonne position pour pouvoir marcher dans la plénitude du plan de Dieu pour votre vie. Just taking an example to summarize it up. Donc on va prendre pour un exemple pour pouvoir tout résumer. Paul the apostle. Paul l'apôtre Paul. He have a history. Il avait une histoire. Where he persecuted the saints. Il avait une histoire et il persécutait les saints. He imprisoned them. Il les a emprisonnés. He killed them. Il les a tués. For their belief. À cause de leur croyance. Yet. Et encore. Paul obtained grace and mercy for the things he did in his past. Il a obtenu la grâce et la miséricorde pour les choses qu'il a faites dans le passé. This is hence the reason. Et donc c'est la raison pour laquelle I am encouraging you today. Je veux vous encourager aujourd'hui. No matter what you have done in your past. Peu importe ce que vous avez fait dans le passé. No matter what mistakes that you have done in the past. Peu importe les erreurs que vous avez pu faire dans le passé.
God will restore you. Dieu va vous restaurer. He will grant you grace. Il va vous donner la grâce. As long as you turn to him. Tant que vous vous tournez vers lui. Philippians 3:13-14 says. Philippiens 3 verset 13 à 14 dit. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things that are, which are behind and reaching for to those things which are before, I press toward the mark of the prize of the high calling in Christ Jesus. Alléluia. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. This morning, ce matin, let us rise up. Levons-nous. Let us rise up. Levons-nous. Let us forget the things that have passed. Oublions les choses du passé. Forget your mistakes. Oublions nos erreurs. Forget the pastor's mistakes. Oublions les erreurs du pasteur. This is a big issue for us. Pour nous, c'est un gros problème. Many of us are holding on to mistakes he did. Beaucoup regardent à des erreurs qu'il a pu faire. And we cannot move on. Et on ne peut pas avancer. He's a man just like you. C'est un homme comme nous-mêmes. Just the spirit of God is in him. Et l'esprit de Dieu est en lui. And God is using him for his glory. Et donc Dieu l'utilise pour whatever sa gloire. Whatever mistakes your neighbor has done. Quelle que soit l'erreur que votre voisin a commis. Whatever mistakes your brother has done. Quelle que soit l'erreur que votre frère a commis. Your husband. Votre mari. Your wife. Votre épouse. Forget. Oubliez. And allow God. Et permettez à Dieu. Allow God's plan. Permettez au plan de Dieu. To come through in your life. De pouvoir se réaliser dans Many votre vie. Of us have different callings on our lives. Beaucoup d'entre nous avons des appels différents sur notre vie. We just warming benches. Et là, nous sommes simplement en train de chauffer Do les we bancs. Truly believe that Christ is returning? Est-ce que nous croyons vraiment que Do Christ we truly va revenir? Believe that we are living in end of time? Est-ce que nous croyons vraiment que nous vivons dans la fin des temps? Do we truly believe the word of God? Est-ce que nous croyons vraiment à la parole de Dieu? Let us rise up. Levons-nous. You do something today. Vous faites quelque chose aujourd'hui. Go to God. Allez vers Dieu. Receive his forgiveness. Recevez son pardon. Receive his grace. Recevez sa grâce. Receive his mercies. Recevez sa miséricorde. And put it behind you. Et mettez-la derrière vous. And do not allow et ne permettez pas the enemy to crowd your mind. À l'ennemi de venir corrompre votre esprit with past issues. Avec des problèmes passés. Isaiah 43:19 says, Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall he not know it? I will even make a way in the wilderness and a river in the desert. Isaïe 43, verset 18 nous dit, Ne pensez plus aux événements passés 19. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Verset 19, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Do you want to be a part of it? Est-ce que vous voulez faire partie de cela? Do you want to be a part of what God Est-ce que vous voulez doing? Faire partie de ce que Dieu va Remember faire? Your wilderness. Rappelez-vous de vos déserts. He promised what he will do. Il a promis, il a dit ce qu'il va faire. He promised in the desert. Il a promis que dans le désert, he will give you the river, il va vous donner water la rivière, for your soul. De l'eau pour votre âme. Your situation has become as a wilderness. Et votre situation est devenue comme un désert. Your situation has become as a desert. Votre situation est devenue comme But un I'm désert. Here to tell you, Mais je suis là pour vous God dire is ready. Que Dieu est prêt. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêt? Are you ready Est-ce que vous êtes prêt to overcome your past mistakes? Pour pouvoir surmonter vos erreurs passées? Today I leave this verse with you. Aujourd'hui, je vous laisse ce verset. Isaiah 43. Ésaïe 43. 19. Verset 19. He said he will do a new thing. Il a dit qu'il va faire une chose nouvelle. It will spring forth. Ça va, vous la connaîtrez. Shall you not know it? Don't you know it? Est-ce que vous n'allez pas la connaître? Even he will make a way in your wilderness. Il a dit qu'il va faire un chemin dans le désert. And this morning, do you want to be a part? Et il a dit, je dis ce matin, est-ce que vous voulez, est-ce que your vous heart. Voulez faire partie de cela? Ouvrez vos cœurs. And allow et permettez the word of God to transform your heart. À la parole de Dieu de transformer votre cœur. By being an overcomer. En étant celui qui va surmonter of your past mistakes. Surmonter les erreurs passées. God bless. Que Dieu vous bénisse.